l'idée est de faire rencontrer tous ces professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées pour améliorer la prise en charge de ces personnes en perte d'autonomie. Et je les remercie chaleureusement. Je suis venue à cette conférence parce que le maintien à domicile et comment ça se passe, notamment quand il y a des troubles du comportement, c'est une question qui se pose dans mon quotidien. J'ai beaucoup apprécié l'approche des professionnels et de toutes les personnes, de tous les intervenants qui ont pris part à cette conférence. La conférence en elle-même est très enrichissante parce qu'on côtoie plein de personnes dans le médical plus souvent. J'étais particulièrement sensibilisée aux questions de la nutrition, de l'alimentation. On apprend grâce aux autres avec des petites difficultés que nous peut-être on n'a pas connues et des situations à gérer avec des petits éléments qu'on pourra nous servir pour nous dans notre quotidien. Ça permettait de rencontrer des gens d'autres professions que la mienne, qui sont des professions complètement complémentaires à ce que moi je peux faire. Et c'est vraiment gratifiant pour eux qui ont donné de leur personne pour intervenir et pour échanger leur expérience avec nous. Et on m'a même demandé de réitérer l'événement. Je pense que c'est un point très positif. Globalement, c'est quand même une très bonne expérience, très formatrice. Ça a été assez long. On est drivé par Senior Company qui mandate un consultant pour nous suivre et pour nous conseiller. Ça nous permet aussi d'avoir des repères et ça nous aide justement dans l'élaboration de notre projet. Je suis extrêmement satisfait. Il y avait plus de 70 personnes présents dans cette conférence. C'est plus que positif, ça montre surtout que ça répond à un besoin et je pense que là est l'essentiel, c'est que du coup, s'il y a autant de personnes qui ont répondu présentes, c'est qu'il y avait un besoin autour de cette demande d'information et de réunion entre professionnels.